en cette journée de la famille, prions pour toutes les familles à travers la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous te prions aujourd'hui pour toutes nos familles. Nous te demandons de faire descendre l'abondance de ta bénédiction sur chacune d'elles. Accorde-leur de grandir dans l'amour mutuel afin qu'elles puissent être un signe de fierté pour tous ceux et celles qui les entourent. Qu'elles apprennent à connaître ta volonté, qu'elles marchent sur tes chemins et reçoivent toutes les grâces dont elles ont besoin pour vivre selon ton cœur dans la joie et dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adama, c'est qui ton inspiration dans la vie? Ma mère. Moi, je dirais c'est Dieu. C'est Dieu? Les femmes ambitieuses. Et moi, je dirais Michelle Obama. Très bien dit, merci beaucoup. Muggsy Bogues. Est-ce que tu veux élaborer? Parce que il est comme 5 pieds 3, puis il a fait dans la NBA, puis ça prouve comme... Il y a rien qui peut t'arrêter, you know? Comme lui, sa taille n'a pas arrêté. Soit comme, pourquoi est-ce que moi, je m'arrêterais? C'est ça. En plus, nous deux, on n'est pas si grands, hein? Non. C'est correct. On a les mêmes génétiques, ça va. Ouais. Les femmes noires indépendantes. C'est ma sœur et Dieu. Amen. Ma mère et Dieu. Je pourrais probablement pas me fier sur une personne parce que j'en ai tellement de sources d'inspiration, mais je dirais probablement ma mère. Ma famille et mes amis, ils sont tous des personnes qui m'aident à me motiver à continuer à progresser dans la vie. Moi, j'en ai plusieurs, mais des personnes comme Muhammad Ali, Jerry Rice, peut-être même des personnes... comme ces deux-là, ils sont juste des perfectionnistes. J'aimerais vraiment être comme eux, juste perfectionner ce que je fais. Voilà. Lionel Messi, bro. Lionel Messi? Est-ce que tu veux partager, tu veux élaborer? J'ai pas besoin d'élaborer. Alors moi, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Je pense que toutes mes sources sont tous les hommes noirs qui ont réussi de leur vie, comme Denzel Washington, so yeah. Je dirais que ma source première était ma mère, mais comme de plus en plus que je grandis, je pense que mon inspiration, c'est l'amour que j'ai pour les membres de ma famille et comme vouloir leur bien-être et leur aider. C'est bien, merci beaucoup. C'est l'heure des élections du gouvernement des élèves 2023-2024. Voici un rappel de la nouvelle structure du gouvernement des élèves. Chaque année, des élèves engagés vous représentent et organisent des activités pour vous. Aujourd'hui, vous avez la chance de voter pour élire ces élèves. Bonjour, je suis Zaki Amoui et je me présente au gouvernement des élèves comme coprésident. Ma vision pour notre école est celle où chaque étudiant a une voix et un droit de regard dans les décisions qui affectent leur vie. Je suis convaincu que nous pouvons construire ensemble une communauté scolaire plus forte, plus inclusive et plus dynamique. Si vous voulez un leader qui s'engage à répondre à vos besoins, qui possède les compétences et l'expérience nécessaires pour faire une réelle différence et qui a une vision d'un avenir meilleur, votez pour moi, Zachary Amoui. Ensemble, nous pouvons faire de notre école un endroit meilleur. Merci. Salut les Lazares, je m'appelle Mariana Koukouz et je me présente pour le poste de coprésidente. Je serai une candidate idéale pour ce poste puisque j'ai plusieurs années d'expérience au sein du GDE. Depuis ma 7e année, je fais de tout mon possible pour rendre votre expérience du secondaire mémorable. Je suis une élève remplie de leadership, d'esprit d'école et sera toujours prête à écouter lorsque vous avez des nouvelles idées. Alors, n'oubliez pas de voter Mariana Koukouz pour une dernière fois en tant que votre coprésidente. Passez une excellente journée, les Lazares. Bonjour, je m'appelle Laura Limoron et je me présente comme secrétaire du GDE pour l'an prochain. J'aimerais garder le GDE très organisé et je serai très présente sur les médias sociaux. Merci. Je suis Nancy et je me présente pour être votre représentante des 9e. J'imagine que vous me connaissez tous déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nancy et je suis en 8e. Tout le monde sait que le passage secondaire est un stress,
Avec moi comme représentante, vous passerez la meilleure année de votre vie. Votez pour moi, pour faire un passage au secondaire dans la bonne humeur avec plein d'activités. Je veux que pour la première fois dans l'histoire de Samuel Genet, les 9e années gagnent les grands jeux. Pour prouver qu'on est la meilleure génération, votez pour moi. Je suis votre meilleur choix. Bonjour cher Lazare, je suis Michel Némé, un élève de la 8e année qui adorerait l'année prochaine vous représenter auprès du GDE. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis un élève avec beaucoup de créativité, de l'énergie, ayant du potentiel et un bon sens de leadership. Ou si choisi au poste comme représentant de niveau, je ferai mon mieux de faire sûr que nous ayons du plaisir tout au long de l'année scolaire, avec des activités amusantes. Enfin, j'espère vous représenter l'année prochaine avec fierté auprès au nouveau GDE. Donc, votez pour moi! Salut Lazare de la 8e année, je m'appelle Olive Di Stefano et j'aimerais la chance de vous représenter dans le GDE l'année prochaine. Si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas grave, j'aimerais bien rencontrer chacun de vous pour que je puisse bien vous représenter. Représenter vos voix, vos suggestions et vos idées. Comme représentante de la 9e année, je ferai de mon mieux possible pour réaliser vos idées. Un vote pour Olive, c'est un vote pour vous et une année plus amusante avec des activités qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, s'amuser à l'école, c'est possible si vous votez Olive Di Stefano. Salut les Lazare! Depuis la 7e année, j'ai eu l'opportunité de vous représenter au GDE. J'ai appris qu'être membre de ce gouvernement demande de la responsabilité, de l'organisation et du temps. Je suis prête à prendre la responsabilité de vous représenter, d'organiser les activités que je vous propose dans mon dossier avec efficacité et de donner le temps nécessaire et supplémentaire au poste. Je suis prête à m'assurer que vous soyez inclus et heureux des décisions prises. Sinon, je suis là pour vous écouter et vous entendre quand vous m'expliquez pourquoi vous n'étiez pas satisfait. Je suis prête à participer à les rencontres, à prendre toutes vos idées en considération et à vous offrir des activités amusantes. Mais surtout, je suis prête à m'impliquer pour que votre voix soit entendue. Votez pour moi! À vos marques, prêts, partez! Les élections pour les représentants de 7e année auront lieu en septembre. Pour voter, réponds au formulaire qui a été placé dans ton classroom de niveau. Tu as jusqu'à 14h aujourd'hui pour soumettre ton vote. Merci de noter que les élèves de 9e et de 10e année n'auront pas à voter car les candidats ont été élus par acclamation. Les élèves de 12e année n'ont pas le droit de vote pour le GDE de l'an prochain.